Oui, ça marche. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon? Bon, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le premier webinaire Launchpad. Et c'est notre premier webinaire en fait, Ouais, à à tous tous les les deux. deux. Sacha, c'est bon, tu nous vois en l'air? Cool. Donc un webinaire peut-être pour donner un petit peu de contexte. Un webinaire, c'est un peu une mini conférence en ligne. L'idée, c'est de rendre vraiment ça hyper interactif et on a choisi de faire un live stream pour que vous puissiez nous poser vos questions en même temps qu'on présente peut-être un petit Launchpad et comment on en est arrivé à ce projet. Donc voilà, on vous lit. N'hésitez pas à poster vos questions sur le chat. On les lit au fur et à mesure et on y répondra ensuite dans la deuxième partie du webinaire. Voilà. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Peut-être qu'on peut expliquer un peu les raisons qui nous ont poussé à faire ce webinaire. En fait, un peu la genèse du truc, c'est que on a fait un event mi-mars, donc un event Launchpad, avec un peu moins de 50 personnes dans les locaux de Comet. Et c'est un event qui a plutôt plu, mais malheureusement, c'était à Paris et on n'a pas pu toucher tous les gens qui auraient voulu y assister. Donc, on s'est dit que faire un peu la même chose sur Internet, c'était intéressant. Et puis, ça permet en plus de poser bien plus de questions et d'y répondre. Et puis, surtout, après, par la suite, l'idée, c'est d'avoir un lien que vous. En rapport avec les questions que vous allez nous poser, on va les mettre, je sais pas, en dessous de la vidéo ou en commentaire. Donc l'idée c'est que tout ça, ça ne se perde pas et que vous puissiez les retrouver et que ça profite peut-être à d'autres. Voilà. Voilà. Alors peut-être on va peut-être se présenter parce que ça explique vraiment aussi pourquoi est-ce que je Pourquoi est-ce te qu'on est là? voilà. Du coup, moi, je m'appelle Estelle, je travaille chez Shine, je m'occupe du contenu chez Shine, en fait. Shine, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ou qui sont peut-être utilisateurs, c'est une application mobile qui est à la fois une néobanque pour les freelances et... Ah, le lien envoyé par mail ne fonctionne pas, dit Alexandre. Je reprends, qui est à la fois une application, une néobanque pour les freelances et en même temps un assistant administratif. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, vous allez avoir votre compte dédié à votre activité professionnelle et puis en même temps, tout un ensemble de services qui vont vous aider en fait dans votre activité de freelance. Donc, un outil de facturation. Si vous êtes auto-entrepreneur, on va vous prévoir vos charges. Donc, vous aurez sur votre compte à la fois votre solde et en même temps une petite barre comme ça qui vous dit attention, provisionne tant pour tes charges. Vous allez avoir un service aussi ouvert 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions administratives. Voilà. Et donc tout ça gratuitement parce qu'on veut que la gestion administrative des freelances soit simple et c'est pas évident. Donc voilà, on est là pour ça. Et Comet, donc on est une start-up qui a un peu moins de 2 ans et qui s'est donné un peu pour mission de réinventer la façon dont travaillent les ingénieurs en Europe. Aujourd'hui, concrètement, c'est une plateforme qui met en relation la plus belle communauté de freelance en tech et en data, donc sur ces deux verticales uniquement, avec des missions dans tout type d'entreprises, que ce soit des grands groupes, que ce soit des entreprises tech, que ce soit des startups. Et donc aujourd'hui, c'est d'une communauté de plus de 2600 freelance tech data, essentiellement en France et bientôt dans d'autres pays européens, qui démarrent des missions chez des grands groupes du CAC 40 et de belles startups, surtout françaises. L'idée, c'est effectivement d'apporter la plus belle mission à chaque freelance. Donc, on prend vraiment le temps de connaître les compétences et les envies, les inclinations de tous les freelances. Mais on est parfaitement conscient que le freelance, c'est encore une voie qui est semée d'embûches et qu'il faut vraiment faciliter l'accès à l'indépendance, faciliter l'accès à tous les problèmes qui existent et qui sont attenants au seul problème de trouver des missions, de trouver du travail. Et donc, comment est venu Launchpad? Launchpad, c'est un peu une. Ils ont souvent été salariés. Et on s'est rendu compte que c'était le passage finalement entre de salarié à freelance a souvent été compliqué. Et avec Estelle, on pense que il faudrait pas que ce soit aussi compliqué. On pense qu'il faudrait devenir freelance en deux temps, trois mouvements. Ça devrait vraiment être accessible à tous. Et pour l'instant, le problème, c'est que c'est compliqué et angoissant, surtout pour beaucoup de personnes. Voilà. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que
La même façon qu'on est avec un numéro de sécurité sociale, finalement, qu'aucun de nous n'est jamais allé quémander, qu'aucun de nous n'est jamais allé acheter, ben, on devrait naître freelance en France. Alors, comme c'est pas encore le cas et que c'est pas demain que ce truc-là sera mis en place, ben, on lance le programme Launchpad et on espère que via ce programme, ben, ça pourra vous apporter les clés pour devenir freelance et rassurer un petit peu la phobie administrative, ce que fait très bien Shine, ouais. Mais aussi une certaine peur qui peut exister quant au fait de trouver des missions. Voilà. Peut-être expliquer ce qu'est un freelance, parce que c'est pas clair pour tout le monde. C'est un mot qu'on entend beaucoup. C'est la question vraiment, les grands espaces profonds. La différence entre freelance et entrepreneur et auto-entrepreneur, concrètement. Bah, justement, en fait, il faut savoir que freelance, juridiquement, on va dire, ça veut rien dire. C'est une appellation, c'est un anglicisme, en fait, pour désigner les gens qui travaillent en indépendant. Mais en fait, en France, on appelle ça un indépendant, finalement. Auto-entrepreneur, très concrètement, ça veut dire la même chose que micro-entrepreneur. Donc, des fois, je dirais micro-entrepreneur, des fois, auto-entrepreneur, c'est la même chose. Et en fait, c'est un statut spécifique. Avec un régime fiscal et social spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, très concrètement, quand tu es auto-entrepreneur, ça te permet d'être indépendant et d'avoir des démarches qui sont relativement simples par rapport à d'autres statuts et qui, en plus, te permet d'avoir des cotisations sociales relativement faibles et d'avoir un système d'imposition aussi qui est assez avantageux. Donc, en fait, c'est juste un régime juridique qui te permet de démarrer ton activité de freelance, simplement. Je ne sais pas si c'est clair. Si ce n'est pas clair, n'hésite pas à le redire dans le chat. Et de façon générale, en fait, s'il y a des mots qui vous semblent un peu barbares et qu'on emploie et qu'on utilise, n'hésitez pas à nous demander ce que ça veut dire. Ouais. Mais je rejoins complètement Estelle. En fait, un freelance, il y a toujours eu des indépendants en France. D'ailleurs, on les a souvent appelés les professions libérales, donc les médecins, les avocats... Les artisans aussi, c'est des indépendants. Enfin, ça englobe des réalités qui sont hyper différentes. Mais moi, j'ai l'impression que le mot freelance est assez caractéristique de l'économie numérique. Donc, c'est plutôt des métiers de professions hautement qualifiées, de consultants, de développeurs, et donc plutôt des compétences du numérique. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que c'est un anglicisme. Et alors, on voit passer des questions. Alors, une question sur les retraites. Oh là là, Céline. La retraite, en fait, il faut que tu regardes au niveau des organismes de retraite pour leur demander. Mais à mon avis, ça se fait automatiquement. Je ne veux pas trop m'avancer. On pourra repréciser la question peut-être après. Mais en fait, si tu regardes l'organisme de retraite auquel tu es rattaché, donc à mon avis, c'est la CIPAV. Si je ne dis pas de bêtises, vu que tu dois être en profession libérale, normalement, tu comptabilises tes trimestres en auto-entrepreneur. Il faut savoir que la retraite des auto-entrepreneurs et des freelances de manière générale, des indépendants de manière générale, elle est quand même moins avantageuse que la retraite des salariés. Donc, il faut faire bien attention à ça, anticiper, soit te constituer une épargne, soit éventuellement souscrire à des organismes privés qui vont pouvoir te constituer une retraite comme si tu constituais en fait une retraite d'entreprise dans une boîte classique. Et un deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que en tant qu'auto-entrepreneuse, si tu souscris justement à ces organismes privés pour ta retraite, tu peux bénéficier de déductions fiscales. Ça s'appelle les contrats Madelin. Donc je sais qu'il y a, je sais pas s'il y a des partenaires de Comet qui font des mails peut-être. Il y a des organismes en fait qui te permettent de cotiser pour ta retraite et où en plus tu vas pouvoir souscrire à ce qu'on appelle des contrats Madelin et qui vont te permettre d'avoir des déductions pour tes impôts, donc c'est avantageux. C'est hyper intéressant en fait, justement c'est une super question, la question de la retraite, parce que on vit dans un monde où on vit dans un monde finalement où nos parents étaient salariés, nos grands-parents étaient salariés et il y a un petit changement qui s'opère culturellement, il y a de plus en plus de freelance et Comet c'est bien sûr de résoudre le premier problème qui est de matcher les freelances avec les missions et les missions vraiment sur mesure en fonction des envies des freelances, mais on a des problèmes à côté qui sont finalement des assurances contre les situations où il n'y aura pas de revenus comme la
chômage ou la retraite. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de startups qui prennent à bras le corps chacun de ces, chacun de ces problèmes. Et ça va se développer. Et ça va se développer de plus en plus, puisqu'il y a un boom assez incroyable et dont on se réjouit du freelancing en France. Donc, on cherche des partenaires qui vont résoudre ce problème par le numérique. Alors, il y a plein de questions. Ça va assez vite. Tu avais un truc sur la part de commission que prend Comet. C'était la question suivante. Ouais. Alors, la part de commission prise par Comet et par Shine. Shine, c'est 0 euros. Voilà. C'est à part. Shine et Comet, c'est deux organismes séparés. Et du coup, ouais. Comet. Et Comet, en fait, c'est créé un peu à rebours de ce qu'on appelle les SS2I ou les ESN. L'idée, c'est de vraiment faire la transparence sur la marge, hein, ou la commission. Et la commission prise par Comet est totalement indolore pour les freelances. Donc, en fait, les freelances touchent 100% des honoraires de leur TJM qu'ils renseignent sur Comet. En revanche, la commission, le markup, donc, est de 10% chez Comet. Et les 10% sont facturés au client final. Donc, pour donner un cas hyper concret, quand un freelance chez Comet annonce que son taux journalier est de 600 euros, on facture le client quelque chose comme 660 euros. Et donc, le freelance perçoit bien 600 euros par jour. Et je voudrais juste revenir, j'ai dit que les commissions chez Shine, c'était 0 euros. Enfin, vous allez avoir des commissions. C'est une néobanque, donc il va y avoir des commissions bancaires. Vous avez zéro frais fixe. Je ne vais pas prêter à confusion, mais il y a quelques petites commissions bancaires, par exemple, si vous utilisez votre carte à l'étranger ou si vous faites un retrait, il y a une petite commission aussi. Sur notre site, il y a tous les tarifs, il n'y a pas de frais cachés, vous pouvez tout vérifier. Et voilà, juste pour être bien précis. Franchement, je ne trouve pas que 25% est avantageux. Alors, c'est avantageux par rapport aux autres statuts, c'est-à-dire que si tu es en entreprise individuelle ou en SASU, ça va être beaucoup plus. C'est pas fixe, mais en entreprise individuelle, ça va plus être autour de 35 voire 40%. Donc, c'est plus avantageux. Après, les taux de cotisation, c'est décidé par l'État. Donc, Julien nous dit freelance égale indépendant, non salarié. Donc, oui, c'est très juste. Un freelance, finalement, peut-être le point commun entre tous les freelances, c'est que ce sont des indépendants au sens où ils n'ont pas de patron, ils travaillent pour eux-mêmes et souvent ils n'ont pas de salarié non plus. Donc, l'idée, c'est qu'un freelance, finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas de subordination, qui est libre de choisir son projet, de choisir quand il veut travailler et avec qui il veut travailler. Je vois juste une question sur, il me semble que c'est le RSI et non la CIPAV. En fait, la CIPAV, c'est une caisse de retraite spécifique pour les professions libérales. Donc, quand je dis profession libérale, j'entends pas médecin, avocat, c'est ce qu'on appelle les professions libérales non réglementées. C'est par exemple vous, les développeurs ou les graphistes ou les designers. Et ces professions-là sont à la CIPAV. Après, c'est vrai que je crois qu'il y a quelqu'un qui le dit un peu plus tard, il y a une transition qui se fait pour justement passer tous les gens qui étaient au régime social des indépendants à la sécurité sociale générale. Ils vont être adossés au régime général. C'est une transition qui est en train de se faire en ce moment et c'est un peu complexe et je pense qu'il va y avoir encore des changements dans les années à venir. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, aller régulièrement checker. N'hésitez pas à appeler vos conseillers parce que c'est normalement, d'ici 2020, chaque personne aura un conseiller dédié à son activité. Après, dans les faits, est-ce que ça va être le cas ? Alors, par rapport à une SS2I, 25%, ça va encore, je pense. Donc, je crois qu'on y a répondu. Oui. La commission de Comet, c'est 10% et c'est 1$ pour les freelances. Ouais. Ne connaissez pas le contrat de la freelance, c'est quelqu'un à son compte. Oui. C'est quelqu'un à son compte. Auto-entrepreneur, c'est un des statuts que tu peux prendre en entreprise comme ça. Voilà, exactement, c'est ça. Pedro, tu as raison. Est-ce qu'on peut faire peut-être une précision sur le mot auto-entrepreneur? Donc très longtemps, on parle d'auto-entrepreneur ou d'auto-entreprise, qui est un statut qui a eu un très grand succès en France, puisque je crois qu'il y a 1 million d'auto-entrepreneurs. Mais depuis le 1er janvier 2018, je crois qu'on parle de micro-entrepreneur. On parle de micro-entrepreneur, c'est juste un changement de terme, ça n'a pas tellement changé. Et c'est vrai que ça induit un peu à confusion parce que le site encore de l'État dédié aux micro-entrepreneurs s'appelle l'auto-entrepreneur. Ça, c'est pareil, je pense que ça va être amené à évoluer, à se moderniser, mais voilà, ça veut dire la même chose. Alors, question de Yasser, est-ce qu'on pourra signer un CDI avec une entreprise et continuer à travailler en freelance et avoir le statut auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur? Oui, en fait, ce qui est génial dans ce statut, le grand avantage, c'est que
on peut cumuler, on peut être polyvalent, donc polyactif, c'est-à-dire qu'on peut cumuler emploi salarié et complément via micro-entreprise. Il faut juste vérifier, c'est souvent dans votre entreprise, il faut checker vos contrats, vous allez peut-être avoir des clauses de non-concurrence ou d'exclusivité. Après, ces clauses, des fois, elles sont mises par défaut dans le contrat. Il faut juste, il y a une obligation, ce qu'on appelle une obligation de loyauté quand vous travaillez en salarié dans une entreprise, qui est que vous ne pouvez pas, vos activités annexes ne doivent pas porter atteinte à l'entreprise. Donc, si ton activité de micro-entrepreneur, elle fait que tu dors plus la nuit et que quand tu arrives à ton travail, tu n'es pas productif, là, ça va poser problème et potentiellement ton entreprise peut y voir un problème. Mais voilà, enfin, légalement, rien ne t'empêche de le faire et ça ne devrait pas poser de problème. Prévenir ton employeur, par contre, Julie. Oui, voilà, c'est mieux. Et je crois que légalement, c'est dit. Je ne suis pas sûre. Bah, légalement, dans tout contrat, je pense, l'immense majorité des CDI, ou des CDD d'ailleurs, on peut difficilement travailler en concurrence avec son propre employeur. Ah oui. Donc, il faut juste vérifier qu'on remplit bien cette condition. Alors, Chachia Production pose la question, c'est quoi les meilleures façons de trouver des missions en remote? J'ai toujours eu des missions de bouche à oreille et j'ai jamais eu des missions online. Alors, ce qui est vraiment très sympa, c'est qu'il faut se dire que les freelances très longtemps devaient consacrer peut-être une journée de leur semaine à la prospection commerciale, donc au fait de trouver des missions. Il y a eu LinkedIn et LinkedIn a peut-être certainement facilité les choses. Sauf que concernant, parce que on s'adresse bien aujourd'hui à des salariés plutôt tech et data, donc plutôt dans l'ingénierie logicielle et la data science pour aller vite, il y a eu une petite avancée récemment qui est l'apparition des plateformes, puisque ce sont deux verticales de métiers où le marché est assez incroyable. Il y a infiniment plus de missions, il y a infiniment plus de besoins qu'il n'y a de compétences. Mais infiniment, enfin, je veux dire, c'est vraiment une question d'ordre de grandeur d'échelle qui change. Donc, LinkedIn, qui était un allié, devient un peu un ennemi parce que on a beaucoup de compétences avec lesquelles on travaille qui se font solliciter ou harceler limite quotidiennement par plusieurs recruteurs qui ne comprennent pas vraiment les compétences donc de ces freelances. Et ce qui vient justifier l'apparition des plateformes qui veulent faire un travail de matching beaucoup plus intelligent. Donc, à la réponse, c'est quoi les meilleures façons de trouver des missions en remote? Alors, trouver des missions, déjà, c'est, moi, je suggère fortement les plateformes où on monétise la compétence. Et en remote, il faut bien indiquer finalement que les seules missions que tu pourrais accepter, ce sont des missions en remote. Donc, le remote, pour ceux qui ne savent pas, c'est le télétravail. Donc, c'est le remote work. Ce qui est chouette, c'est que les entreprises ont de plus en plus de mal, finalement, à internaliser, à recruter des compétences tech data. Donc, remote devient un peu une norme de plus en plus. D'ailleurs, je crois qu'il y a une loi qui est passée qui a permis de légiférer en ce sens. Voilà. Pour te répondre aussi sur le fait qu'il n'y en a pas beaucoup chez Comet, en fait, c'est parce que le marché français est un peu peut-être qui scie à beaucoup, beaucoup de monde et qui donne des super résultats. D'ailleurs, Comet, chez nous, notre team tech est en remote. Enfin, une partie de la team tech. Question suivante. C'est une question qui est un peu délicate. Pour des projets internationaux, ne vaut-il pas mieux ouvrir une société en Irlande ou autre pays avec une fiscalité basse? Moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus, administrativement. Donc là, c'est un arbitrage que tu peux faire toi-même et il faudra peut-être consulter quelqu'un d'autre. Là-dessus, on ne peut pas tellement se prononcer. Voilà. Nous, je rejoins un peu Estelle. On travaille, on a des missions à l'international chez Comet et... Il n'y a pas vraiment un besoin nécessaire d'avoir une société en Irlande, mais je ne pourrais pas dire quelle est la fiscalité la plus avantageuse pour un freelance. Je ne suis pas forcément au courant. Voilà. Mais on peut essayer de se renseigner.
peut essayer de se renseigner. Est-ce que le statut d'auto-entrepreneur créé en 5 minutes avec Shine vaut la création du statut sur le site officiel? Oui, bien sûr. Alors, je mets juste en contexte pour ceux qui ne connaissent pas du coup. Une des fonctionnalités de Shine, c'est donc de créer votre statut micro-entrepreneur. On s'occupe de toutes les démarches pour vous. Vous avez juste à vous inscrire sur Shine, remplir un petit formulaire, on vous explique tout et on s'occupe d'envoyer les papiers à votre place. Oui, ça vaut complètement la même chose. On s'en occupe, mais le but, c'est juste de vous décharger de la charge administrative, mais on s'en occupe pour vous. On envoie les papiers aux bonnes institutions, on vous explique les points que vous n'avez pas compris et on fait, si vous êtes éligible à l'ACRE, on pourra revenir dessus sur l'ACRE si vous voulez, si vous êtes éligible à l'ACRE, on fait la demande pour vous. Voilà, donc oui, ça vaut complètement, c'est comme si vous le faisiez vous-même, sauf que c'est plus simple en fait, et gratuit. Alors, je comprends bien, mais je veux savoir quel est le business model de Shine si tout est gratuit. Oui, c'est une bonne question. Pour l'instant, Shine, on se rémunère. Je me suis reprise tout à l'heure, j'ai dit qu'effectivement, on avait quelques commissions qui sont variables. On se rémunère pour l'instant sur ces quelques commissions, mais surtout, on va travailler sur une version premium avec un abonnement et qui arrivera plus tard dans l'année. Et donc, cette version premium nous permettra de nous rémunérer puisque pour l'instant, effectivement, ces commissions ne suffisent pas. Alors, Fabien dit, 10% c'est énorme. J'imagine que tu fais référence à la commission Comet. Bon, de toute façon, c'est toujours subjectif. Mais je pense que ça dépend à quoi est-ce qu'on compare. C'est énorme par rapport à quoi. Il y a d'ailleurs une réponse de Étienne qui dit, ou alors tu peux aller en SS2I et ils prennent 80% de marge. Je vais peut-être, merci Étienne, mais je vais peut-être justement donner un modèle qu'on a beaucoup étudié. En fait, dans les SS2I, ce qui ont apporté beaucoup, beaucoup de valeur aux entreprises, puisqu'elles s'occupaient de toute la partie IT. Ce qui se passe, c'est que très longtemps, les SS2I, salariés des ingénieurs, qu'elles rémunéraient, pour aller vite, hein, 200 euros au jour, et facturaient, et donc en bout de chaîne, hein, en dernière instance, le client final, on lui facturait donc ce consultant fonctionnel, ou plutôt consultant technique, pardon, des sommes qui n'avaient plus rien à voir, enfin, qui était de l'ordre de, je sais pas, 800 euros jour, 900 euros jour. Pourquoi? Parce que entre la société de service qui salarie vraiment ce consultant et le client en bout de chaîne, il y avait ce qu'on appelle une sous-traitance en cascade, puisqu'il y a 2, 3, 4 SS2I parfois qui ponctionnent et qui vampirisent la chaîne de valeur, qui prennent leur com pour une intermédiation qui a finalement peu de valeur ajoutée. Et le jour où ce consultant technique, c'est une histoire qu'on écoute, qu'on entend absolument tous les jours chez Comet, le jour où le consultant se rend compte du delta, donc de l'écart qui existe entre son salaire, alors que c'est lui qui ship, c'est lui qui travaille, c'est lui c'est lui qui crée l'application ou peu importe l'infrastructure, le delta entre son salaire et ce qui est facturé au client est tellement astronomique qu'il finit par en vouloir un petit peu à la société qui l'emploie. Donc 10%, nous, on estime que ce n'est pas forcément énorme, puisqu'on déleste finalement les freelances de toute la partie facturation, de la partie contractualisation, puisque l'idée, c'est que ce soit aussi seamless, donc aussi simple que sur des plateformes comme Deliveroo, par exemple, qu'on n'ait plus à se préoccuper de tout ce qui est de l'ordre administratif pour contractualiser avec un client. Et puis surtout, on délaisse de la prospection commerciale, ce qui, on estime est une tâche assez, assez relou pour les freelances. Il y a peut-être une autre question. Pour moi, c'est plus simple de passer par Shine, mais ça a été un peu plus long, temps de prise en compte de mon dossier. Lucas, oui, effectivement, ça a pu arriver. Alors, je précise que ça dépend. Des fois, c'est aussi court et des fois, c'est un peu plus long. Il y a eu des fois où ça a pu être un peu plus long parce qu'on avait eu beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, le temps de les traiter, on le traite ici en France et c'est traité maintenant. Donc, forcément, ça prend un peu plus de temps. Donc, oui, c'est effectivement possible que ça prenne plus de temps. Cela dit, effectivement, c'est, comme tu le dis, c'est plus simple. Alors, une question de BJG. Très concrètement, 500 euros de TJM, combien dans la poche à la fin de la journée? Ah oui, attends, non. En fait, la question, je pense, c'est si je facture 500 euros, combien
combien me reste après paiement des cotisations, des charges, ah, des... Pas sur la commission. Ah, ou alors sur la commission Comet. Peut-être qu'on va répondre aux deux questions. Ouais. Alors, la réponse à la question, si tu passes par Comet, c'est que si tu annonces sur Comet que tu gagnes 500 euros, c'est ton TJM, alors tu percevras 500 euros. Y a pas de, enfin, c'est hyper transparent et on ne rogne pas sur les taux journaliers. Maintenant, s'il s'agit de l'autre question qui est si je facture 500 euros, combien me reste-t-il à la fin de la journée après avoir payé les cotisations, etc. Alors oui, à la fin, c'est un peu bizarre de dire à la fin de la journée puisque tes cotisations, tu vas les payer mensuellement ou trimestriellement. Donc du coup, bon, mais effectivement, si on prend une espèce de modèle, à ces 500 euros, il faut que tu enlèves donc 22% qui sont tes cotisations. Et ensuite, alors tout dépend de ton imposition en fait. Il faut savoir que l'imposition des auto-entrepreneurs, elle se calcule de la manière suivante. C'est-à-dire vous allez prendre votre chiffre d'affaires. Vous allez prendre votre chiffre d'affaires. Je réfléchis à ce que je dis pas de bêtises. Vous allez enlever ce qu'on appelle un abattement forfaitaire. Donc en fait, c'est-à-dire que on enlève un certain pourcentage. On considère que ça équivaut à vos frais professionnels en fait. Donc, quand vous êtes freelance, je ne veux pas dire de bêtises, vous allez enlever 34% de votre chiffre d'affaires. Et ensuite, sur ce chiffre qui vous reste, vous allez pratiquer votre taux d'imposition. C'est la méthode de calcul de l'impôt classique. Voilà, je ne peux pas te faire ce calcul de tête, je suis désolée, mais peut-être que ça peut t'aider, toi, à y voir plus clair. Merci Abderrahman, vive Comet. Et le support avec Time. Alors, Étienne fait référence à Time, qui est un software de comptabilité. On a un partenaire chez Comet qui est Nova et qui produit un cabinet d'expertise comptable très freelance friendly et qui développe une solution qui s'appelle Time et qui permet de faire sa compta beaucoup plus simplement quand on est freelance. Une très bonne, très importante question d'Antoine, Dev. Comment est-ce estimer correctement son TJM. Ouais, c'est le nerf de la guerre. Tu veux peut-être commencer à chez Comet. Alors, chez Comet, on est en train de développer un outil qui permet d'estimer correctement son taux journalier. Je pense que Estelle en parlera un peu mieux que moi pour ce qui est de ce qu'il faut vraiment prendre en compte. L'idée, c'est de ne pas se brader, c'est de comprendre. De façon, c'est vraiment comprendre que ce qu'il faut comparer, c'est pas le salaire qu'on percevait quand on était salarié, vraiment beaucoup beaucoup plus d'avantages qui en vérité se chiffrent en nature pour vraiment comparer. Alors comment estimer correctement son TJM? Je pense que il faut le faire de façon, enfin par l'expérience en fait. Il faut essayer peut-être de prendre. Et ce qu'on a souvent chez Comet, c'est des gens qui comparent un petit peu les gens qui leur ressemblent. Et puis ils tapent un petit peu au milieu et ils essayent de voir avec leur premier client les premiers avis et faire évoluer finalement ce taux journalier en fonction. Alors, sur le TJM, si ça peut peut-être t'aider, si tu es déjà salarié, nous on a proposé une méthode avec Shine qui peut te permettre d'avoir une espèce d'étalon par rapport à ton salaire actuel. En fait, en gros, ce qu'il faut que tu regardes, sachant que freelance du web, c'est comme disait Mehdi tout à l'heure, ça, vous avez quand même une marge de manœuvre qui est assez forte puisque c'est des métiers qui sont demandés. Donc, vous pouvez évaluer votre TJM aussi en fonction de la demande. Mais nous, ce qu'on conseille de faire, c'est de regarder ton salaire brut, d'y ajouter ce qu'on appelle les cotisations patronales parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que toi, quand tu as ton salaire brut qui arrive, tu payes ensuite tes cotisations salariales, mais ton patron aussi paye des cotisations patronales. Donc, ajouter à ton salaire brut ces cotisations patronales et puis évaluer tous les avantages en nature que t'offre ta boîte. Donc, je ne sais pas, les chèques resto, si tu as un CE, faire une espèce de grosso modo d'évaluation de ça. Prendre en compte aussi ta mutuelle. Et puis, ce truc global, tu vas le diviser par le nombre de jours travaillés, donc le nombre de jours ouvrés dans l'année. Je crois que j'avais noté en 2018, il y en avait 252, par exemple. Donc, tu prends les jours ouvrés et tu soustrais à ces jours ouvrés tes vacances et tes jours de prospection, de compta, tous les jours où tu travailles pas, en fait. Et donc, ça va donner le nombre de jours où tu travailles et tu divises et tu obtiens, disons, un TJM qui te permet plus ou moins de maintenir ton niveau de revenu. Voilà.
Ouais. Donc le grand message, c'est vraiment comparer en prenant donc le salaire brut payé par le patron. Quoi. Ouais, ce qu'on appelle le salaire super brut, c'est-à-dire faut vraiment pas prendre le salaire brut en fait parce que vous omettez toute la partie que votre patron paye aussi. Et il faut savoir que en termes de négociation, vous pourrez arriver aussi en face de votre employeur en disant bah voilà, moi vous voulez me payer l'équivalent de ce salaire brut, mais moi je sais que en fait je peux vous demander plus. Et en plus, il est flexible, enfin, vous êtes flexible, et lui, il peut à tout moment vous dire d'arrêter la mission, donc il faut aussi prendre ça en compte, et vous anticiper par rapport à des potentielles périodes où vous aurez moins de missions, etc. La question juste après, c'est existe-t-il un calculateur pour prévoir ses finances ? Sur le site de Comet, donc comet.co, il y a un calculateur que vous pourrez trouver dans le menu. On est en train de le faire évoluer, on est en train de l'enrichir avec les taux journaliers des freelances actuels chez Comet, mais aussi de freelances qui auraient répondu de façon anonyme. Et l'idée, c'est avec le temps, on aura de plus en plus de précisions. Mais effectivement, on aimerait bien faire les lumières sur un taux journalier moyen. Voilà. La question d'après... Très concrètement, tu prends ton TGM, tu le divises par deux pour les charges, pour pas pour les impôts, l'épargne, etc. Ok. On ne peut pas travailler à 100% pour Shine, par exemple, au risque de travail dissimulé. Non. Tu pourras peut-être répondre plus justement que moi. On ne peut pas travailler à 100% pour Shine, par exemple, au risque de travail dissimulé. Est-ce que tu fais référence à... C'est-à-dire que si tu travailles à 100% pour une entreprise, effectivement, ça peut être justifié de te requalifier en CDI. Ah, d'accord, ok. À moins que ce soit pour une mission. Si tu travailles à 100% pour une entreprise, pour une mission donnée, là, il n'y a pas de problème, je crois. Mais il faut que ce soit une mission définie dans le temps. Oui. Bon, moi, je le comprends de deux manières. La première, c'est est-ce que mes finances doivent passer à 100% par mon compte Shine, c'est ça ? Non. Bon, en tout cas, pour... Ah non, je pense que c'est... Est-ce que je travaille à 100% pour un client ? Okay. L'exemple de Shine, ça pourrait être une autre boîte. Ouais. Effectivement, travailler à 100% pour un seul client pendant une longue durée, je ne sais pas si on peut encore appeler ça du travail indépendant, sachant que les missions de travailleurs indépendants doivent forcément être bornées dans le temps et c'est souvent des missions pas très longues. Enfin, chez Comet, en tout cas, en moyenne, je pense qu'une mission dure entre 3 et 6 mois. Voilà. En auto-entreprise, tu prends ton TJM, tu fais x0,75 et tu as ce que tu touches net. Je pense qu'on essaiera par rapport au TJM et par rapport au salaire de vous mettre une espèce d'équation pour calculer assez simplement, pour vous aider, vous donner un ordre de grandeur. Étienne Brodu, il y a des sociétés de portage qui prennent moins de 5%, c'est injuste de comparer ça au SS2I. Je ne sais pas si c'est une question, mais... La société. Ah oui, alors le portage, attention, c'est pas exactement la même chose, c'est du portage salarial, donc c'est pas encore du travail 100% indépendant, c'est encore autre chose. Ouais. C'est à la croisée des chemins entre le salariat et le freelancing, c'est pour ceux qui veulent faire une transition peut-être en douceur. Je pense que c'est jusqu'à preuve du contraire, la société de portage n'apporte pas forcément des missions. En fait, au freelance salarié. Bon. Dafuk qui dit « Bon, vous êtes noyé sous les questions, désolé. » Bah, c'est bien. Mais est-ce que vous pensez que c'est faisable d'être étudiant et freelance parallèlement ? Oui, carrément. C'est cool. Même parce que ça te permet d'acquérir de l'expérience. Ouais. Et c'est légalement, c'est hyper possible. On a même fait un article il n'y a pas longtemps avec Shine là-dessus, où on pourra te le mettre. Je ne sais pas où. Et effectivement, c'est faisable et y a des petites modalités. Tu restes sur ta sécurité sociale étudiante, par exemple, donc c'est avantageux au niveau de la protection. Voilà, aussi, on mettra l'article quelque part. Question d'Alexis. Donc, bonjour, est-ce des missions aléatoires ou est-il possible de viser des missions sur un secteur spécifique, Lille et environ ? Merci. En tout cas, pour Comet, ce qui est très important pour nous, c'est vraiment de comprendre quel est l'environnement de travail parfait pour chaque freelance ou freelance en devenir. Donc, dans les renseignements dans ton onboarding chez Comet, quand tu renseignes un petit peu les informations qui te concernent, on demande systématiquement
quelle est la zone sur laquelle tu aimerais travailler? Quelles sont tes préférences en termes de remote? Est-ce que tu veux travailler en région seulement ou juste dans ta ville ou à l'échelle nationale? Enfin, on essaie vraiment de prendre en compte toutes tes préférences avec la meilleure granularité possible. Voilà, donc oui, on prend. Il est possible de viser des missions sur un secteur spécifique. Sur un secteur aussi, sur le plan de l'industrie, si tu peux aussi renseigner sur Comet que tu ne veux pas travailler, par exemple, pour l'industrie, je dis n'importe quoi, hein, pharmaceutique, bancaire, et on te matchera jamais avec ce secteur-là. Voilà. Question de Sébastien. Y a-t-il des spécificités au fait de cumuler statut de salarié et freelance, hors portage salarial ou contrat salarial interdisant toute activité parallèle? Alors effectivement, on disait tout à l'heure, il faut faire attention à certaines clauses dans le contrat, clause de non-concurrence par exemple, donc oui, c'est ce que tu dis. Au niveau des spécificités, non, pas spécialement. En fait, c'est juste que, par exemple, tu auras ton activité de salarié, où tu conserveras les mêmes... tu feras tout comme tu fais maintenant. Et à côté, tu auras ton activité d'auto-entrepreneur avec effectivement des cotisations à payer en parallèle. À la fin de l'année, par exemple, sur tes impôts, tu auras une déclaration complémentaire à remplir. Enfin, tu auras juste cette activité qui s'ajoutera, mais rien ne change. Enfin, il n'y a pas de spécificité, en fait. C'est juste que les deux s'accumulent. Ce qui est le gros focus de ce soir, c'est qu'effectivement, il permet le cumul des mandats, entre guillemets. Donc, il permet d'être à la fois salarié et freelance. Et il permet d'une autre façon de peut-être tâter le terrain un petit peu, de garder son activité de salarié et de commencer des missions soit pendant ses congés, soit pendant une durée qu'on aurait négociée avec son entreprise pendant laquelle on ne travaille pas pour l'entreprise, de créer son statut indépendant qu'on veut rester par exemple pour au régime général de sécurité sociale, même s'ils ont vocation à fusionner demain. Parce qu'en fait, au régime général, vous allez garder votre protection sociale de salarié, et il faut savoir que la protection sociale du micro-entrepreneur, de l'auto-entrepreneur, elle est quand même moins intéressante. C'est-à-dire que, par exemple, si vous tombez malade, vous n'allez pas avoir de congé maladie, vous ne toucherez pas d'argent. Alors que si vous êtes salarié, vous allez toucher effectivement... Donc si vous cumulez les deux, autant avoir... le meilleur des deux mondes et garder la protection sociale des salariés. Voilà. Ling nous demande, est-ce que nous autres étrangers pourrons avoir le visa français si on est freelance? Alors non, un autre type de visa. Je suis un peu en désaccord. Ah ouais. Pour ne pas être français moi-même et pour avoir des copains qui ont été dans ce cas-là. S'agissant des développeurs, en tout cas, et des data scientists, on peut être étranger en France, mais quand je dis étranger, c'est étranger avec un titre de séjour étudiant, par exemple, et grâce à son activité de freelance, donc c'est une entreprise, finalement, on peut parfaitement obtenir un droit de séjour en France en tant que freelance. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible. La démarche n'est pas simple. Mais elle est de plus en plus simplifiée, voilà, parce que la France a un peu compris que ce sont des métiers dont il vaut mieux qu'ils restent en France. Voilà. Alors, j'apprends un truc, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que tu peux pas créer ton statut micro-entrepreneur si t'as un visa étudiant étranger, je crois. Je crois que justement la petite parade, c'est de créer un statut commerçant ou un statut entrepreneur. Un statut peut-être étudiant-entrepreneur. Exactement, un statut étudiant-entrepreneur. Peut-être qu'effectivement, ça peut marcher. On creusera la question. On va creuser, ce sera peut-être l'occasion de créer un contenu. Voilà. Alors, on va prendre, on nous dit qu'on va prendre bientôt les dernières questions. Les dernières questions, parce qu'on avait prévu 45 minutes. Mais après, posez-les et on y répondra peut-être à l'écrit dans un article. Parce que je vois qu'il y a plein de questions. Ouais. Donc voilà, on s'arrête d'ici 5 minutes, mais on répondra. On répondra à toutes les questions qui ont été posées sur le chat. Ouais. Donc, Scoonart demande, en micro-entrepreneur, faut-il déclarer les revenus sur la feuille d'impôt individuelle en plus de déclarer le chiffre d'affaires? Alors, je ne comprends pas ce que tu entends par les revenus. En fait, ce qui va se passer concrètement, c'est que tu vas avoir ta déclaration d'impôt classique.
Sur cette déclaration d'impôt classique, il me semble qu'il y a une ligne qui est dédiée aux revenus non salariés. Donc là, tu pourras mettre effectivement ton chiffre d'affaires. Et en plus de ça, tu aurais ce qu'on a une, comment elle s'appelle, la déclaration 2042 C Pro, qui est une déclaration spécifique aux revenus non salariés. Tu indiqueras tes revenus non salariés. Voilà. Là, je te parle des déclarations, mais si ça se fait en ligne, je crois même que c'est automatique. Tu as la page qui s'affiche, tu mets tes revenus. Voilà. Donc, la question qui suit, c'est question légalité, établir un contrat de TMA annuel avec un client sur la base d'heures mensuelles. Je ne sais pas que je botte en touche, mais je ne suis pas sûr de pouvoir de bien cerner toute. Qu'est-ce que tu entends par TMA? Je suis en train de justement. Peut-être faire les questions suivantes et on reviendra à cette question. C'est quoi l'avantage d'une société de portage si tu peux trouver toi-même tes missions? La société de portage, il me semble que l'avantage, c'est de garder des annuités ou des trimestres concernant les retraites. Ouais. De garder aussi les avantages que peut apporter le salariat, comme de la mutuelle. Mais c'est une solution qui convient à certains. Ça ignore le fait que beaucoup de startups aujourd'hui essaient de reconstituer finalement tout le système, le filet de protection sociale, un peu un safety net, grâce à des solutions un peu numériques, de l'assurance numérique, que ce soit IRC Pro, en santé, et demain en chômage et en retraite. Donc, finalement, c'est un peu notre vision, notre approche du freelancing. J'en profite pour en dire un mot. Notre approche, c'est justement de dire que le freelancing, c'est une voie incroyable, puisque c'est une voie qui permet aux gens de se soustraire à la subordination qui existe dans le salariat, qui permet de choisir ses missions, où on travaille, avec qui on travaille, quand on travaille. Et on sait que le freelancing, c'est encore un peu la jungle, donc on veut vraiment faire évoluer le freelancing en conjuguant les avantages du freelancing, la liberté de choisir finalement, aux avantages du salariat qu'on essaie de reconstituer justement grâce à des partenaires, en allant chercher des partenaires qui vont résoudre chaque pan de la vie d'influence avec une solution numérique. Donc la compta, le coworking, la banque, demain des solutions de crédit, des solutions de logement, puisque c'est assez fou aujourd'hui, il y a des freelances qui gagnent très bien leur vie mais qui n'arrivent pas à se loger parce qu'en face les propriétaires considèrent encore que seuls les CDI sont le Graal. On en est très loin, enfin, voilà, donc c'est la même personne. Alors, on y a déjà répondu, pour ceux que ça intéresse, en fait, on n'est pas tellement légitime à donner une réponse là-dessus. Donc, faut s'adresser peut-être à un avocat fiscaliste, ouais. Quelqu'un qui est expert. David S. dit clause d'exclusivité, pardon, et dit plus loin dans tous les CDI, ou clause de non-concurrence. Je tiens juste à dire que tous les freelances qui travaillent enfin, qui trouvent en tout cas des missions via Comet, ne signent aucune clause de non-concurrence ou clause de non-débauchage ou clause d'exclusivité. Freelance, on croit beaucoup au mot freelance parce que c'est un mot qui, dans son radical, il y a la liberté, c'est free. Donc, c'est hyper important pour nous que les freelances soient libres de choisir leur mission, leur plateforme. Il n'y a aucune clause de quelque sorte que ce soit. Il y a parfois des NDA en revanche, donc des clauses de confidentialité qui sont signées avec les clients, et ça, c'est par les clients, et ça, c'est par contre tout à fait normal. Yasser, merci bien, merci Mehdi Estelle pour la réponse. Okay. Avec plaisir. On va essayer de prendre les dernières questions. C'est pas très compliqué. Donc, faire le devis. Y a-t-il des limites chiffre d'affaires et heures à ne pas dépasser quand on est salarié et auto-entrepreneur? C'est vrai que c'est la base, mais on l'a même pas dit. Terminé avec ça. Oui, pour être auto-entrepreneur, pour bénéficier de ce régime spécifique, il y a des limites de chiffre d'affaires. Pour les professions comme développeurs, ça va être 70 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Si vous dépassez cette limite, vous allez passer au régime entrepreneur individuel. Voilà. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Si on souhaite, on prend une dernière question peut-être. Si on souhaite monter une SASU, vous pouvez nous aider? La réponse est oui, évidemment. Maintenant, effectivement, ce soir, on avait un gros focus sur le statut entrepreneur. Qui demeure le statut le plus simple à créer.
Mais bien sûr, on peut vous, vous conseiller sur les statuts et la SASU notamment, même si le meilleur conseil sera celui d'un expert comptable. Ben, merci à tous de nous avoir suivis. On tient à auquel on n'a pas répondu, donc on le fera. Voilà, pour la suite, sachez que vous allez recevoir un mail avec un type form pour savoir un petit peu ce qui vous a plu, ce qui vous a un peu moins plu. Et puis, on vous révélera les résultats de ce que vous en avez pensé. Voilà. Ouais, bah merci beaucoup. Merci pour vos questions. Et on espère qu'on a pu vous aider. Si vous voulez plus d'infos, je pense que vous pouvez aller sur shine.fr et sur comet.co. Et voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.